Amen, peuple de Dieu. Je parle pas fort, faut vraiment. Amen, vous allez bien? Ça va par la grâce de Dieu? C'est un plaisir pour moi de partager la parole une troisième fois avec vous. Aujourd'hui, le thème sera la mission. Donc si on peut tous noter, si on peut tous écrire, tous prendre des notes, parce que je me suis rendu compte qu'on retenait que ce qu'on pouvait écrire. Amen. La première question, si on peut toujours avoir un synthé pendant la prédication. Amen. La première question que je vais vous poser, c'est l'évangélisation est-elle un commandement ou un appel ? La question est floue. Beaucoup de personnes se disent, je ne suis pas évangéliste, donc je n'évangélise pas. Ce n'est pas mon appel. Alors, est-ce un appel ou un commandement ? Matthieu 28. De 19 à 21. Amen. Amen, amen. Matthieu 28, de 19 à 21. On va même partir au verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Jésus s'approcha et leur dit, il parle à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce dont je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ? Amen. Il y a un point que j'aimerais souligner, c'est que la Bible ne dit pas « faites des croyants ». Ne faites pas des croyants, faites des disciples. Donc déjà, c'est quoi un disciple ? Un disciple, c'est une personne qui n'est pas dépendante d'un homme de Dieu pour prier, qui n'est pas dépendante de recevoir toujours des enseignements, qui peut se nourrir elle-même. Il y a des croyants qui sont dépendants de leur pasteur, dépendants de leur responsable. « Homme de Dieu, tu peux prier pour moi, j'ai bientôt mon examen. » Et sinon, il ne prie pas, il n'a pas de vie de prière. Un croyant, c'est quelqu'un qui prie qu'à l'église. C'est un religieux. Il jeûne, il avance, mais il ne sait pas trop pourquoi. Il n'a pas encore expérimenté le Christ. En fait, la Bible nous dit de former des disciples. L'apôtre Paul avait un collaborateur qui s'appelait Tite, responsable de l'église de Crète. Et il lui dit, dans Tite 1, 5, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu achèves d'organiser tout ce qui doit l'être encore et que tu établisses des anciens d'église dans chaque ville. » Il lui dit bien, n'établis pas des bébés, n'établis pas des petits, établis des anciens. Et à Bethsaïda, il s'est passé la même chose. Au moment de renvoyer les disciples, de renvoyer les 5000 personnes, les gens disaient, mais on n'a pas de quoi manger. On a quelques pains, quelques poissons. Qu'est-ce qu'on fait, Jésus ? Il dit, donnez-leur à manger vous-même. En fait, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et Jésus leur dit, mais vous avez ramené combien de paniers ? Parce qu'il y a eu deux multiplications de pains. Il y en a eu une où ils étaient 5000 et il y en a une où ils étaient 2000, je crois, ou 4000. Mais le plus important, c'est qu'une fois, ils ont ramené 7 paniers et une fois, ils ont ramené 12 paniers. Et en fait, ce qui est très important, c'est que c'était les enseignements qu'ils ont ramenés. Amen. La multiplication des pains, ce qui m'a choqué, c'est qu'ils étaient 5000 à Bethsaïda. Et j'ai vu dans Actes des Apôtres qu'ils étaient également 5000. Amen. J'ai fait un lien. En fait, les pains, c'est la parole de Dieu. Toute personne qui a reçu la parole de Dieu doit lui-même nourrir les autres. Amen. J'ai fait un lien entre Bethsaïda et entre Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, à 9h,
ils étaient 120. À 15 heures, ils étaient 5000. Et c'est la parole qui s'est propagée. J'aimerais vous parler de l'histoire de David. Il y a beaucoup de personnes ici qui ne servent pas Dieu parce qu'ils se sentent méprisés des autres. Je suis trop jeune, je ne peux pas servir Dieu. J'ai même pas la formation théologique. En plus, les gens te méprisent, les gens ils te disent quoi ? T'es un minable, t'es une fille, t'es un gars, tu sais même pas parler. T'es un petit, regarde ton corps. Les gens te méprisent, les gens ne croient pas en toi. David, les gens ne croyaient même pas en lui. Tous les frères de David étaient partis à la guerre. Et David, il lui avait dit, va garder le troupeau, va garder le troupeau. Toi, David, t'es un minable, va pas te battre, va garder le troupeau. Mais David avait reçu une promesse de Dieu. Amen. David avait reçu une promesse qu'il allait être roi. Il était même roi, mais par ses yeux, il y avait un autre roi. À la vue, il y avait un autre roi. C'est-à-dire que entre la promesse de Dieu et son accomplissement, il y a un temps et qui est déterminé par ta foi. Amen. Parfois, Dieu a dit des choses sur ta vie et comme te dit Habacuc 2:3, si une promesse tarde, attends-la patiemment. Attends-la patiemment car elle s'accomplira. Amen. Il y a des choses par la vue, tu ne les vois pas, mais attends patiemment. Comment Dieu peut te donner la vision sans la provision ? Amen. J'aimerais qu'on lise rapidement Jacques 2, de 2 à 4. Aujourd'hui, l'enseignement sera plus court. Jacques 1, de 2 à 4, pardon. Je lis la parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il ne vous manque de rien. Amen. Chaque épreuve t'est bénéfique. Pour évangéliser, pour servir Dieu, tu es face à beaucoup d'épreuves. Ma première évangélisation était c'était une catastrophe. On lui disait, va parler au frère là-bas, en plus il est tout seul. Oh, moi j'avais trop peur, j'avais trop chaud, c'était impossible. Et puis, j'ai commencé à me lancer, je suis allé voir une dame. Bonjour, j'aimerais vous parler de Jésus. Elle me dit, ouais, je n'ai pas le temps. Vous savez, tu as chaud, tu as peur, tu te dis, j'y retourne plus, c'est mort, j'y retournerai plus jamais, c'est pas pour moi, c'est pas mon appel. La preuve. Je disais, c'est pas mon appel, parce qu'il y avait une épreuve. Alors que Dieu m'a nommé évangéliste. Amen. Mais par l'épreuve, j'ai commencé à fuir mon appel. L'épreuve est là pour t'élever. L'épreuve est là pour faire ton caractère. Peut-être tu as déjà évangélisé, tu n'as pas vu de résultat. Et puis il y a un orgueil chez l'homme qui est, lorsque tu ne parviens pas à avoir un résultat, et ben tu t'énerves. J'ai évangélisé, personne n'a donné sa vie à Jésus. Et toi, t'es-tu converti le premier jour ? Moi, on m'a dit ça une fois. Je dis, mais quand j'évangélise, personne ne donne sa vie à Jésus. Et on m'a dit, et toi, la première fois que tu as entendu parler de Jésus, tu as accepté ? Je dis, bah non, je ne miche pas. 2 semaines, 3 semaines, j'ai pris mon temps, quoi. Il fallait que je tue le Isaac qui était en moi. Amen. Et c'est vrai que même avant de servir Dieu, avant de rentrer dans la mission, on se demande quel est notre ministère. Amen. C'est quoi le ministère ? C'est quoi notre ministère ? Ministère veut dire servir. Éphésiens 4, 11 nous dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants. Amen. Ce sont les 5 ministères. Et j'ai beaucoup apprécié l'autre jour à l'étude biblique ici à Bethel. Un docteur nous racontait dans Exode 21:37, si un homme vole un bœuf, il restitue 5 bœufs. C'était une loi juive. Si un homme il vole un bœuf, il doit en redonner 5. Amen.
Marc 15, 19. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel. Amen. Ça ne vous parle pas ? Un bœuf qui est enlevé, il y en a cinq qui reviennent. Ça ne vous parle pas des cinq ministères ? Amen. Bon, c'est pas de moi la révélation. Hein. Mais ça m'a beaucoup touché. En fait, Jésus disait, il est avantageux que je m'en aille, parce qu'il devait penser au fait que si on enlève un bœuf, on va en redonner cinq. Amen. Et même parfois, tu vas tellement rechercher le ministère. Est-ce que je suis pasteur ? Est-ce que je suis évangéliste ? Est-ce que je suis prophète ? Parce qu'une fois, je donnais une prophétie. Tu vas tellement rechercher le ministère. Moi, je préfère te dire, ne recherche pas le ministère, recherche le Dieu du ministère. C'est différent. J'aime beaucoup dire ça, ne recherche pas la bénédiction, recherche le Dieu de la bénédiction. C'est différent. 2 Corinthiens 5, 18 nous dit, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En fait, on y vient. Que tu sois pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, docteur, tu es dans le ministère de la réconciliation. À noter en rouge, la réconciliation. Le pasteur, par exemple, il va enseigner, il va affermir. Le prophète va avertir avec des prophéties. Dieu m'a dit, donc fais attention. Tu peux aller. En fait, c'est le panneau stop. L'évangéliste va rassembler. C'est-à-dire qu'il y a le berger, le pasteur, il y a les brebis et il y a le chien qui ramène les moutons, l'évangéliste. Amen. Mais au final, toutes ces personnes sont là pour réconcilier l'homme avec Dieu. Amen. Et ça m'a fait méditer sur le fait de construire une maison. Lorsqu'on construit une maison, il y a l'architecte, il fait les plans, il fait tous les plans. Il y a l'électricien, voilà, il s'occupe de toute l'électricité, les lumières. Il y a le plombier, il s'occupe de la tuyauterie, des évacuations d'eau. Amen. Il y a le maçon qui construit la maison et le peintre qui peint les murs. Mais imaginez une chose. Ils sont tous en harmonie, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils savent bien, le peintre, il ne va pas commencer à ouvrir le tableau électrique. Ça va être compliqué sinon, il peut même mourir. Si tu prends le ministère de ton frère, tu peux mourir. Chacun a reçu son onction. Chacun a reçu son don, son talent. Tu veux savoir quel est ton ministère ? Concentre-toi sur la réconciliation, tout le temps. Et toi, tu vas être dirigé par tes dons, par tes talents. Par exemple, il y a des gens ici qui sont forts pour le chant. Gloire à Dieu. Un chantre peut être évangéliste. Un chant peut être pasteur. Mais c'est important de vraiment regarder ce que tu sais faire. Il y a des hommes, lorsqu'ils chantent, tu pleures. Voici un don. Il y a des hommes qui savent enseigner. Lorsqu'ils lisent la Bible, ils vont t'enseigner même les mots en grec et en hébreu. En fait, identifie ta façon de penser et ta façon d'être. Le don, c'est comme un couloir, j'avais déjà expliqué. Tu vas ouvrir plusieurs portes dans ton couloir, dans ton don. Mais un jour, tu vas ouvrir la bonne porte. Tu seras dans ton ministère. Mais comment veux-tu ouvrir la bonne porte si tu n'es pas dans le bon couloir ? Vous n'avez jamais vu ça ? Quelqu'un qui se réoriente professionnellement. Toute sa vie, elle a été peintre en bâtiment. Et à 30 ans, elle veut s'occuper de tous les enfants. Amen, vous me suivez ? La personne est peintre en bâtiment et elle se rend compte que finalement, elle aime les enfants. Parce qu'elle n'a pas su identifier assez tôt. Tu es là, tu es dans un ministère pastoral, tu prêches, tu enseignes, tu essayes d'affermir, mais il n'y a pas de fruits. Les gens, ils restent bébés. Les gens, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Tu sens qu'ils n'ont pas de vie de prière, il n'y a pas de fruits. Es-tu dans ton appel ? N'es-tu pas pasteur par orgueil ? Il y a des gens, ce sont des intercesseurs. La Bible dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, on les critique par leur doctrine, on dit non, c'est abusé. Il y en a un qui veut la dîme, il y en a un qui ne veut pas. On les critique, on les boycotte. Mais le plus important, c'est les fruits. Amen. Il y a des hommes de Dieu critiqués. Lorsque tu vois ses disciples, tu dis non, mais ils sont tellement loin spirituellement. Il ne faut pas s'arrêter toujours à la façon de s'habiller. Un pasteur peut prêcher avec un sweat et des Nike.
et peut t'affermir, alors qu'un grand homme de Dieu connu, où tout le monde dit le Christ est là-bas, il n'y est pas. Amen. En fait, ici, tout le monde a reçu Jésus-Christ dans sa vie normalement. Tout le monde a reçu Jésus. Il y a des gens dehors qui attendent avec un ardent désir. Ici, je vois, oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Romains 8, 19. C'est écrit dans l'Église. Il y a des versions qui disent la création attend avec un ardent désir, comme un feu. C'est-à-dire que les gens sont là dehors, ils sont là, ils ont beau faire leur prière, ils ont beau aller manger, aller au restaurant, aller voir leur femme, essayer de faire avancer leur argent. En fait, ils recherchent Dieu, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que Dieu existe, que Jésus veut combler leur cœur. Amen. Ils ne savent pas. Le gars, il a plein de copines, il sort avec plein de filles. Il est impudique, il ne sait pas pourquoi il fait ça, c'est parce qu'il a un vide, il ne sait pas que c'est Dieu qui recherche. Un homme qui boit, qui boit, qui boit, c'est qu'il a un vide. Et toi, tu sais c'est quoi? Va lui dire. Il faudrait comprendre Romains 10, s'il vous plaît. Romains 10, 13 nous dit « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Amen. Toute personne qui fera appel à son nom sera sauvée. Gloire à Dieu. Mais il y a un problème. Verset 14. « Mais comment donc feront-ils appel en celui qu'ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Amen. Je pense, j'ai la ferme assurance qu'ici des gens sont appelés. Des gens sont appelés à évangéliser. Des gens sont appelés à témoigner. Il y a des gens qui sentent cet appel en eux, qui sentent cette flamme pour les âmes, mais qui sentent qu'il y a un truc qui bloque. T'as pas assez l'assurance, t'as peur. Tu attends le jour J, tu attends demain. Mais moi, je vais vous dire, il y a deux types de personnes. Il y a une personne qui se dit, le jour où j'aurai la meilleure idée, j'irai. Ok ? Et il y a la personne qui se dit, quelle meilleure idée j'ai maintenant pour faire un premier pas ? Amen. C'est différent. Parce qu'il y a des gens, toute leur vie, ils vont se dire, ah, quelle bonne idée je pourrais avoir pour servir Dieu. Quelle bonne idée. Ça fait déjà 2 ans que tu cherches l'idée, ça fait beaucoup, non ? Alors que là, tu peux te dire, quelle meilleure idée j'ai maintenant pour faire un premier pas. Avec Dieu, on marche comme ça, on fait des pas. C'est pas du jour au lendemain que tu es un grand évangéliste, tu fais des croisades à 10 000 personnes. C'est pas possible. L'élévation, elle vient dans la fidélité. Dieu va te donner des petites choses, après des plus grandes, après d'autres plus grandes. Après, il va commencer à te nommer responsable. Tu sais pas d'où ça va venir. Frères et sœurs, je ne sais pas, par la chair, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour quitter la France et venir prêcher au Sénégal. Par la chair, je ne sais pas comment j'aurais pu déverrouiller cette situation. Par la chair, je ne sais pas. Je n'ai jamais appelé le représentant de cette église pour le forcer. Je n'ai jamais forcé. Tout coule. Tout est normal. La grâce de Dieu déverrouille tout dans ta vie. La grâce de Dieu est facile. Si tu sens que ça force, fais un pas en arrière, réfléchis. Dis-toi, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait pour Dieu ? Peut-être que tu as un manque de pardon en toi. Peut-être que tu n'as pas assez d'amour. Il y a un homme de Dieu au Congo qui priait pour la France. Et Dieu lui dit, arrête de prier pour la France. Il dit, mais pourquoi ? Parce que tu n'aimes pas les Mundele. Tu n'aimes pas les Blancs. Et c'est vrai qu'il avait une réticence en lui. Il s'est repenti, il s'est remis en ordre, il a continué à prier. Amen. Il y a des choses que tu dois remettre en ordre en premier. Tu veux évangéliser, mais tu n'aimes pas les gens. Quelqu'un meurt sans Jésus, ça ne te fait rien. Ça te fait rien. Oh, les morts sans Jésus, bof, tant pis. Hein. Tu n'as pas l'amour en toi. Il y a des gens ici qui pleurent pour les âmes. Il y a des gens ici qui pleurent dans la prière. Des gens qui ont le fardeau. Il y a des personnes ici, même qui pourraient même lever la main pour dire oui.
Il y a des personnes ici qui ont le fardeau des âmes, qui veulent se lever pour le Seigneur. Personne. C'est triste. Il y a une personne ici, moi le premier. Il y a une personne ici qui aimerait se lever pour les âmes. N'hésitez pas à lever la main si une personne veut se lever pour les âmes. N'ayez pas peur. Si quelqu'un a honte du Père, il aura honte de lui. C'est le moment d'affronter sa peur. Même pour lever la main, c'est difficile. Comment vas-tu servir Dieu? Même pour lever la main avec des gens que tu connais, c'est difficile. Qui peut lever la main pour servir Dieu? Amen. Ça, c'est le début du réveil. C'est lever la main. C'est le début, c'est bien, première étape. Vous savez, le réveil, c'est quelque chose qui fait mal. Moi, je n'apprécierais pas qu'on me réveille à 5 heures du matin. Le réveil de l'église va faire mal, frères et sœurs. Le réveil au Sénégal, c'est d'abord vous et ça va vous secouer. Comme si on vous réveillait le matin. Tu vas même culpabiliser. Tu vas dire, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Vous savez, lorsqu'un musulman meurt musulman et qu'il va en enfer parce qu'il n'a pas confessé Jésus, c'est de ta faute. C'est ta responsabilité. À l'école, tu passes à côté d'un collègue, tu lui dis même pas que Jésus est mort pour lui. Si tu apprends qu'il est mort, c'est de ta faute. Dieu te demandera des comptes. Il y a une parabole dans la Bible qui dit qu'un homme a donné des talents à certaines personnes. Il y en a un, il lui a donné 500, il lui a ramené 1000. Il dit, waouh, super serviteur. Il y en a un, il lui a donné 200, il lui a ramené 400. Waouh. Il y en a un, il lui a donné 100. Il l'a enterré, il a eu peur. Il a dit, voilà, je te rends tes 100, moi j'ai rien fait. Il dit, toi, je vais t'envoyer où on grince des dents. Dieu a déposé des talents en toi, tu ne les utilises pas. Dieu va te demander des comptes. Vous savez, ici, on a fait des tournées d'évangélisation pendant 5 jours. Ok, c'était dur, mais c'est des filles qui sont venues. C'est des filles, des gens timides, des gens méprisables. Des gens, tu les regardes, tu te dis, mais ils sont tout petits, ils sont tout jeunes. Mais comment ils étaient en feu? Mais ils étaient en feu, on a chanté, on a loué des musulmans qui ont fait Jésus. Amen. On a prêché la parole de Dieu à l'ISM. C'était une première. On a prêché en bord de mer où ils font la musculation. Gloire à Dieu. Les plus timides ont été les plus utilisés. Dieu a pris les gens qui étaient le moins sûrs d'eux pour les élever. Dieu veut utiliser quelqu'un ici. Quand on parle de mission, on entend la moisson. C'est-à-dire que Luc 10, de 2 à 4, on va y aller rapidement s'il vous plaît. Luc 10, de 2 à 4, la Bible nous dit, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Lorsque tu sèmes une graine, quelque chose qui peut faire du blé, tu sèmes une graine. Lorsque tu arrives à la moisson, c'est qu'il y a du blé dans le champ. Amen. Le blé, il est parvenu à pleine maturité, il faut aller le moissonner. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui prient pour que des âmes soient touchées? Il y en a. Vous priez, tu dis, Seigneur, touche un musulman, touche-le, dispose-le, dispose-le. Gloire à Dieu, il y a du blé dehors. Il y a des gens, ils sont comme ça, ils sont prêts à accepter Jésus. Ils seront même... Ils seront ouverts. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut qu'il y ait des moissonneurs. Amen. Il faut que des gens qui aient moissonné, tout simplement. Et après, il dit, n'y prenez ni bourse, ni sac, ni argent, ne prenez rien. Pourquoi? Pourquoi ne prenez rien? Parce que Dieu te donnera toujours la provision. Pour venir à Dakar, Dieu m'a donné la provision. Vous savez combien ça coûte un billet d'avion? Personne ne me finance, frères et sœurs, mais Dieu pourvoit. Dieu pourvoit d'une manière surnaturelle dans ma vie. J'ai 21 ans, frères et sœurs. Je sers Dieu à plein temps, 7 sur 7. Dieu pourvoit. Il m'a appelé d'une manière surnaturelle. D'une manière surnaturelle. Dieu m'a appelé. Je l'ai entendu. Il a été confirmé, reconfirmé. Je vous expliquerai bien peut-être après. Mais Dieu m'a appelé. Et s'il m'a donné cette mission, il m'a donné la provision, frères et sœurs. Si Dieu t'appelle à faire certaines choses, il te donnera toujours les gens avec qui marcher. Tu auras toujours ton traducteur, toujours la personne avec qui marcher. Tu auras toujours ton intercesseur. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, « Oh frère, tu es au Sénégal, on a créé un groupe d'intercession pour toi. »
Dieu a pourvu, j'ai même pas demandé. Il y a des intercesseurs pour moi. Il y a des intercesseurs, je ne sais même pas combien ils sont. Je crois qu'ils se rassemblent tous les jours. C'est incroyable. Dieu sait de quoi tu as besoin. Occupe-toi de ses affaires, il s'occupera des tiennes. Tu ne trouves pas que ta vie, elle avance pas? Ta vie, elle avance pas. Tes études, c'est pas ça. Le travail, c'est pas ça. La famille, il y a plein de problèmes, on ne s'entend plus. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Mais qui peut rendre l'amour dans une famille? C'est Dieu. Qui peut donner le travail? C'est Dieu. Occupe-toi de Dieu. Lui va s'occuper de tes affaires. Il y a des gens qui me disent, « Oh frère, explique au séminaire comment convertir sa famille. » Ok, je vais vous le dire. Ma famille est en train de se convertir. Amen. Je vais vous expliquer comment. Lorsque j'ai mis mon pied au Maroc pour évangéliser et donner un séminaire, ma petite sœur me dit, « J'ai rêvé de Jésus. » Un premier pas. Je suis arrivé en Belgique, ma petite sœur m'a dit, « Moi, je vais apprendre à prier comme tu fais, je vais être comme toi. » Mais je ne comprends pas, en fait. Plus je m'occupe de Dieu, plus je m'occupe de ma petite sœur, plus je m'occupe de ma maman. Jusqu'au jour où je suis rentré, après avoir fait une tournée en France, ils ont confessé Jésus. Mais vous ne vous rendez pas compte. Ils n'avaient pas Jésus, ils ont confessé Jésus, et ce n'est pas parce que j'ai prêché. C'est que Dieu s'est tellement présenté à eux par une multitude de songes. Ils ont fait des songes, des rêves. Mais qui est ce Jésus? Pierre, dis-nous qui est Jésus. Occupe-toi des affaires de Dieu. Il y a des choses qui vont se déverrouiller. Vous savez, l'adoration, c'est rien de plus que de l'obéissance. Si tu commences à évangéliser, tu vas avoir des trucs qui vont se déverrouiller, qui n'auront rien à voir. Amen. C'est vraiment important de s'occuper de Dieu. Matthieu 5, 13 nous dit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa faveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus à rien et donc sera jeté dehors et foulé par les pieds des hommes. » Vous comprenez qu'on est le sel de la terre? Vous comprenez, c'est nous qui donnons le goût aux gens. Il y a des gens, ils sont déprimés. Ils sont comme ça, ils sont sénateurs. Ils ont plein d'argent, plein de femmes. Les gens fléchissent devant eux, mais ils sont malheureux. Il y a des millionnaires qui se suicident, frères et sœurs, qui ont tout, qui te sortent des liasses comme ça. Mais toi, tu es le sel. Ma vie manquait de goût, Jésus m'a donné le sel. Amen. Il y a des vies qui manquent de goût ici. Il n'y a que Jésus qui donne le sel. Et vous, vous êtes le sel. Apportez Jésus dans la vie des gens, en toutes circonstances. Une personne te dit, ça ne va pas. Dis-lui, Jésus veut arranger ta situation. Place Jésus, Jésus, Jésus. Sois christocentrique. Ta respiration, ça doit être Jésus. Je ne comprends pas quelqu'un qui ne prêche pas. Je ne comprends pas. Quelqu'un qui ne témoigne pas. Je ne comprends pas. Dieu va vomir toutes ces personnes. Ce n'est pas une blague. Il y a des gens qui se fatiguent à évangéliser. Et Dieu, parfois, tu n'es pas évangéliste. Parfois, il y a des gens qui ne sont pas évangélistes, mais tu dois témoigner. Par exemple, faire du bouche à bouche, où tu souffles sur une personne, tout ça, ça ne fait pas de toi un médecin. Je suis d'accord. Si tu essaies de réanimer une personne, elle est réanimée, gloire à Dieu, mais tu n'es pas médecin. Tu dois témoigner, mais tu n'es peut-être pas évangéliste. Amen. Mais tu dois témoigner. En France, si tu n'aides pas une personne qui est en train de mourir, non-assistance à personne en danger. On te met là où tu grinces des dents. On te met en prison. Une personne qui n'assiste pas à une personne en danger ira en enfer, frères et sœurs. C'est une réalité. Dieu te dira, tu ne seras rien, toi. Tu ne seras rien. Dieu te demandera des comptes. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Si tu gardes pour toi, est-ce qu'il y a des personnes ici qui se sentent lourdes spirituellement? Spirituellement, c'est lourd. Tu pries, il y a comme un béton au-dessus de ta tête. Tes prières, elles ne montent plus. C'est lourd. Tu lis la Bible, t'en as marre. T'en as marre d'encaisser la parole. T'as qu'une envie, c'est de sortir dehors, prendre l'air, souffler. En fait, c'est ton corps qui veut évangéliser. Si, dans ta vie chrétienne, ta seule ambition, c'est de sortir et prendre l'air, c'est Dieu qui t'appelle à évangéliser. Si tu te sens lourd, c'est qu'il faut que t'aies... En fait, tu es enceinte. Tu es enceinte d'un bébé qui s'appelle Évangile. Il va falloir l'enfanter dans la rue. Lorsque tu lis la Bible, tu gonfles, tu gonfles, tu gonfles, tu gonfles. Et à un moment, tu ne peux plus lire, tu n'en peux plus. Il faut aller enfanter. Évangile, il va courir dans la rue. Évangile va faire des miracles. Évangile veut dire bonne nouvelle. Tu te dis chrétien, mais tu annonces que des mauvaises nouvelles. Commence à apporter la bonne nouvelle. Ah, gloire à Dieu.
Il y a même des gens, non ça c'est grave, qui prient, qui disent, Seigneur, éclaire-moi, 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 comme s'il était ténèbre. Quelqu'un qui a conscience de son identité va dire, augmente les ténèbres, Seigneur, augmente les ténèbres. Que la nuit tombe, augmente les ténèbres, augmente les ténèbres. Parce que moi, je suis lumière, ça ne va plus rester. Hein. Ça ne va plus rester. Moi, pour venir à Dakar, j'ai dit à Dieu, je veux voir les défauts des gens. Parce que je ne sais pas sur quoi prêcher. Je veux voir un peu ce qui ne va pas. Je veux voir un peu les réactions, les coutumes. Parce que la coutume tue la foi. Je veux voir les choses. Et j'ai remarqué le « psst » pour arrêter un taxi, « psst » pour arrêter quelqu'un. Frères et sœurs, la coutume tue la foi. Tu fais psst en France, tu peux te faire taper. Je veux dire, je suis ton chien, moi. Pour vous, c'est normal parce qu'on s'est habitué à ces coutumes. Mais ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Moi, on m'a fait psst. Je dis, est-ce qu'il est sérieux? Amen. Tu arrives dans une église, on te dit Mundele. C'est normal, c'est normal. Mais c'est pas normal pour un enfant de Dieu. Je vais pas te dire, hey, le noir. Non, j'ai du respect pour toi, je t'aime. Je te respecte et je t'élève plus haut que moi. Je peux pas t'appeler le noir. Mon frère, ma soeur, madame, monsieur, ça c'est respectueux. Ça c'est un enfant de Dieu. Et si tu commences à dire, monsieur, les gens vont te regarder comme ça à Dakar. Personne dit monsieur dans la rue. Ah mais moi je suis enfant de Dieu. Comment ça a impacté ? Dakar va connaître un puissant réveil, frères et sœurs. Mais vous imaginez même pas. Et ça va commencer par vous, là. Parce qu'il n'y a pas d'autres gens qui évangélisent. Ça va commencer par vous. Même s'il y a 10 personnes, c'est pas grave. 10 personnes, une fois par semaine, Dieu va faire une grande chose. Il y a des coutumes dans différents pays. Ah, vous savez, c'est pas trop ça. Hein. La coutume tue la foi. Ne vous habituez pas dans le péché, parce qu'à un moment, tu ne vas plus le voir, ta conscience ne va plus te reprendre. La Bible dit de te renouveler par la parole, renouvelle ton intelligence, passe des moments avec Dieu, reste enfermé 2 semaines avec Dieu, fais un déjeûne, même d'une semaine, ou même reste 2 jours, tu vas sortir, tu vas avoir plein de trucs. Parce que Dieu aura renouvelé ton intelligence, amen. Si tu restes dans ton confort, c'est pour ça qu'Abraham a dû quitter ses proches, il se conformait tellement que... Comme je disais hier, il voyait les étoiles, voilà, c'est bien, c'est des étoiles. Il voyait le sable, c'était du sable, voilà, gloire à Dieu. Il ne voyait pas sa descendance, sa vision était faible. Mais Dieu, lui, voit grand. Des choses que toi, tu ne considères pas, Dieu les voit grand. Il y a tout ce frère à l'église ou cette sœur qu'on ne considère pas. On ne lui dit même pas bonjour, elle est toujours toute seule. La personne, elle est toujours tête baissée, comme ça, elle ne dit rien. Moi, j'ai connu une personne comme ça. On ne lui dit jamais bonjour, personne ne veut lui parler... On ne la calcule pas. Vous savez, ce n'est pas qu'elle est orgueilleuse. C'est peut-être qu'elle a souffert dans sa vie. Mais ne la méprise pas. Ne la méprise pas, parce qu'il y a un homme que j'ai méprisé. Et au final, c'est lui qui m'a fait prêcher dans une grande église. Il m'a ouvert une porte. Des gens que tu méprises sont peut-être là pour ton élévation. Quand une personne est par terre et qui te dit « Tu peux me donner quelque chose ?» Ralisse, ralisse. Il te dit quelque chose. Peut-être que c'est Dieu qui teste ta foi. On a un homme à Paris, on sortait d'une conférence, on était chaud. On croise un homme qui avait besoin d'argent. Il dit, vous avez quelque chose? Un frère, il dit, tiens, je te donne 10 euros. Il dit, ah, merci, tout ça. Il dit, c'est Dieu qui te le donne. Il dit, non, mais je connais la parole. Après, il dit, amen. Le amen, il a sondé nos cœurs. Il a sondé nos cœurs. Quand l'homme qui avait besoin a dit « Amen », le « Amen », il est passé à travers nous comme un courant. Moi, je crois que Dieu envoie des personnes comme ça. Je crois que Dieu teste ta foi. Quand tu marches, hop, tu esquives quelqu'un qui est par terre, hypocrite. Même si tu n'as rien à lui donner, serre-lui la main, dis-lui « Bonjour ». Pourquoi tu ne considères pas ces personnes? Tu n'es pas obligé de tout donner si on t'aura plus d'argent, je suis d'accord. Il faut avoir un discernement. Et commence à dire bonjour même aux gens par terre. La Bible te parle de ça. N'agis pas de cette manière. Une personne qui vient bien habillée, on la met devant. Une personne mal habillée, on la met derrière. L'église, c'est le contraire du monde. Le monde à l'envers, ça fait démon. Le monde à l'envers, c'est démon. Le monde, c'est... Il faut faire tout le contraire du monde.
Les gens qui viennent bien habillés, imagine, hein, si déjà il est humble, il comprend qu'il n'a pas besoin d'être devant. Parce que c'est important ces choses-là. Imagine une personne qui vient mal habillée, tu le mets devant. Ah, tu vas mettre en valeur les gens méprisables. Croire à Jésus. Cette personne elle va voir l'amour du Christ. J'ai un frère qui héberge les SDF, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de logement, les gens qui dorment dehors. J'ai un frère qui les héberge. Ils prennent leur douche, ils se rasent, ils se coupent les cheveux. Ils acceptent Jésus, ils ont du travail. Croire à Dieu. Il y a un frère que je croisais à Paris, un musulman, il s'appelait Adama, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Du moins, j'essaie de savoir. C'était quelqu'un qui dormait dehors, il avait 19 ans. Et je lui disais, frère, je peux te parler de Jésus. Il dit, mais moi, je suis musulman, d'où tu me parles de Jésus? Jésus, c'est un prophète. Salahi wa salam. Et je lui dis, non, mais frère, moi, il faut que je te parle de Jésus parce qu'il s'est révélé Dieu. Il dit, j'ai pas envie d'en entendre parler, me fatigue pas. Moi, je dors dehors, toi, tu dors au chaud, tu veux me dire quoi? Ok, excuse-moi, frère, je repars. À un moment, je le recroise, je fais, Jésus veut pas te lâcher. Puis je m'en vais. Et je le recroise. Et une fois, il me dit, oh frère, viens me voir. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de Jésus. Il m'a dit que si je crois en Jésus, il pourrait déverrouiller ma vie. Vous voyez un peu la disposition? C'est qu'au début, c'était une semence, mais après, ça commençait à être une moisson. C'est bizarre. Et une fois, il m'a dit, vas-y, je viens à l'église avec toi. Il est venu à l'église. Il a accepté Jésus. Je le vois plus dehors. Je le vois plus, je repasse, je le vois plus. Où est-ce qu'il est? Je sais pas où il est. Je demande aux gens, mais il est où Adama? Ah, Adama, il dort au chaud maintenant. La Bible est vivante, frères et sœurs. Ne limitez pas Dieu. Je veux juste toucher une personne aujourd'hui. Imagine, tu sors d'ici. Après ce culte, tu sors d'ici. Tu dis, ne serait-ce que Jésus t'aime à une personne. Imagine, elle naît de nouveau. Imagine, elle revient à l'église. Imagine, elle s'affermit. Imagine, tu la verras chanter Hosanna. Imagine ce que tu vas ressentir. Si tu n'avais pas dit Jésus t'aime. La Bible ne te dit pas de convaincre les gens, d'avoir un bon speech. On n'est pas dans la performance. On est dans la semence. Tu donnes ta semence, la personne se convertit. Gloire à Dieu. Moi, il y a des conversions, je n'ai jamais compris. Hein. Ça s'est passé dans mon école. Et une fille, elle me dit, ouais, je suis chrétienne, mais bon, je vais encore en boîte de nuit, j'écoute encore des musiques du monde, tout ça. Je lui dis, je sais que tu as fait des sacrifices, sache que Dieu les a vus. Nouvelle naissance. Elle pleure, elle change de vie. Au bout de quelques jours, sa mère, elle m'appelle, elle me dit, tiens, ma mère, il faut qu'elle te parle. Elle me dit, merci, je priais pour ma fille. Je priais pour elle. J'ai juste dit une parole, j'ai rien dit. Ton témoignage peut tellement impacter. Il y a des personnes ici qui se disent, je n'ai pas de témoignage. Je n'ai pas de témoignage, tu aurais été chrétien. Je suis même né à l'église. Le pasteur était sage-femme. Je suis né à l'église. Si tu dis, je n'ai pas de témoignage, écoute cette chose-là. Je parle pour les femmes. Je n'ai pas de témoignage, ok. Est-ce que tu te préserves pour ton mari? Tu te préserves pour ton mari? Oui? Ce n'est pas un grand témoignage. Rien que ça. Imagine, tu es là, il y a une femme, sa fille est impudique, elle ramène tellement de garçons, toutes les semaines des gars différents. La mère, elle n'en peut plus, elle n'a pas l'autorité sur sa fille. Et toi, tu arrives comme une fleur. Ben, moi, je me préserve grâce à Jésus. Elle va faire le lien. Attends, si j'accepte Jésus, il va remettre de l'ordre dans ma famille. Amen. Ne méprise pas ton témoignage. Ton témoignage est trop puissant. Hein. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause de leur témoignage. Le témoignage est une puissance que tu ignores, accompagnée du Saint-Esprit. C'est incroyable. En tout cas, le message d'aujourd'hui sera plus court parce que il n'y a pas grand-chose à dire. Si tu n'évangélises pas, tu seras responsable des âmes. Il y a des gens ici qui meurent chaque jour. Des gens qui meurent. Et l'évangélisation, c'est aussi pour les chrétiens, pour ceux qui ne savent pas. Il y a des gens qui ont besoin de entendre la bonne nouvelle. C'est tellement noir et c'est tellement noir qu'ils ont besoin d'être éclairés. Gloire à Dieu, tu es une lumière. Amen. Tu dois impacter.
Il y a une personne ici qui veut impacter. Il y a une personne qui veut changer Dakar. Il y a une personne qui n'en a pas marre. Il y en a une personne qui ne veut pas commencer à évangéliser, commencer à donner sa vie pour les âmes. Vous savez, je vais vous parler rapidement du leadership et je terminerai là-dessus parce que je ne voulais pas faire un long message. Le leadership, c'est quoi ? Ce n'est pas un boss qui dit « sortez et vous me tenez au courant ». Le leadership, il est sur le terrain et il tire la corde avec vous. Il tire la corde, il montre l'exemple. L'homme qui est là, qui dit « oh, regarde, tu n'arrives pas à évangéliser, je vais t'aider, on y va. C'est bon, tu arrives ? Ok, je vais voir une autre personne. Toi, ça va ? Ok, on va prier ensemble, c'est bon ? Ok. Donc là, on va évangéliser, on s'occupe. » Là, c'est le leader. Mais quelqu'un qui est responsable, qui n'évangélise pas, qui est responsable, qui ne se pousse pas, qui ne pousse pas les autres, n'est pas un responsable, c'est un boss. C'est une hiérarchie. En Christ, c'est quelqu'un qui va être le premier qu'il se fasse votre serviteur. Amen. Tu veux que Dieu t'élève, commence à servir les autres. Arrête d'être servi. Il vaut mieux servir que se servir. Amen. Jésus même, Jésus est né dans une étable. Il est venu pour servir. Vous savez, c'est quoi la plus grande humilité de Dieu ? La plus grande humilité de Dieu, c'est son invisibilité. Tu es tellement humble qu'il n'est pas visible. Quelle humilité ! Dieu pourrait être toujours là à nous regarder, on le verrait dans le ciel. Dieu pourrait te dire, adore-moi 24 heures sur 24, si tu lèves la tête, je te tue. Mais Dieu est amour, Dieu te laisse ta vie. Et nous, on devient ingrat. Tu pries 30 minutes. Et encore, tu n'es même pas sincère. Je vais vous dire un truc. Hein. Pourquoi Dieu s'est reposé le septième jour ? Pourquoi le septième jour ? Dieu ne s'est reposé qu'après avoir créé l'homme. Amen. Dieu s'est reposé dans le cœur de l'homme. Amen. Dieu s'est reposé dans l'homme. Maintenant, si Dieu vit en toi, accorde-toi une journée de repos. Ok, Dieu vit en toi. Mais les autres jours, Dieu travaille. Les autres jours, Dieu travaille. Dieu est réveillé les six autres jours. Hein. Dieu bosse les six autres jours. Dieu est un travailleur. Dieu n'est pas un feignant. Si Dieu vit en toi, que tu te reposes le dimanche, gloire à Dieu. Mais les autres jours, va bosser. Va servir Dieu. Et on sert Dieu à l'école. Hein. On sert Dieu au travail. On sert Dieu dans sa famille. On sert Dieu dans la prière. Anne était intercesseuse et elle servait Dieu. Commencez à saisir qu'est-ce que servir Dieu. Dieu a besoin d'ouvriers. On va voir s'il y a des timides. Je vais même faire monter la chorale maintenant, tiens. Si vous pouvez monter, s'il vous plaît. C'est un message simple, c'est la Bible. Les âmes périssent et tu es responsable. Marque la date d'aujourd'hui, marque qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas servir Dieu. Prends une décision aujourd'hui. Cette décision va changer ta vie. Commence à noter la date d'aujourd'hui. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, je fais un effort, je fais un pas en avant. Et si tu fais un pas vers Dieu, Dieu l'en fait 10 vers toi. Il y a des gens aujourd'hui qui vont faire un pas vers Dieu. Amen. Alléluia. J'aimerais que ceux qui veulent servir Dieu puissent se lever, s'il vous plaît. Alléluia. Ceux qui ne veulent pas rester assis. Alléluia. Ceux qui ne veulent pas servir Dieu, restez assis. Si tu ne veux pas servir Dieu, reste assis, il n'y a pas de problème. Alléluia. Dieu te voit. Alléluia. Et j'aimerais qu'on Alléluia. Commence à chanter avec notre cœur, en fermant les yeux. Alléluia. Se mettre dans une attitude de prière. Alléluia.
monde peut commencer à chanter. Commence à chanter. Alléluia. Adore, adore, adore. Alléluia. Alléluia. Adore le Seigneur. Lève tes mains, lève tes mains. Alléluia. Lève tes mains plus haut, plus haut. Adore le Seigneur. Alléluia. 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 Parle Seigneur, parle Seigneur, parle Seigneur, parle, il t'entend, il t'entend, il entend tes pleurs, il entend, il est là, il est là, il est là, il est là, le Seigneur est là, le Seigneur est là. Il y a des personnes ici qui ont pris conscience que leur alliance avec Dieu, c'était pas trop ça. Je vais appeler les personnes qui veulent accepter Jésus. Même si tu l'avais déjà accepté, que tu veux refaire ton alliance, viens devant. C'est le premier appel. Si tu veux accepter le Seigneur dans ta vie, n'aie pas honte. S'il y a une personne qui veut accepter Jésus dans sa vie, qui sent qu'il connaissait Jésus, mais c'est pas trop ça. Tu connaissais Jésus, mais c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Quelqu'un qui veut se repentir, qui a pris conscience que c'était pas ça. Dieu va t'honorer.
Dieu va voir l'audace que tu as mis de venir devant. Oui, prends ma vie. Oui, prends ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Oui, prends ma vie. Prends ma vie, Seigneur Jésus. Oui, prends ma vie. Me voici devant toi, Seigneur, prends ma vie. Oui, prends Il y a une personne ici qui sent dans son cœur qu'elle doit s'avancer pour se réconcilier avec Dieu. Il y a encore des personnes qui veulent se réconcilier avec Dieu. Que tu puisses avancer, il y a de la place. Dieu va honorer ton audace. Parce que ça voudra dire que tu n'as pas honte. Regarde pas les autres. Avance devant, ne regarde pas les autres. Si tu veux te réconcilier avec Dieu, continue d'avancer. Je n'appelle que les personnes qui veulent se réconcilier. Qu'ils sentent que leur vie de prière, c'était pas ça, et qu'ils veulent se réconcilier. Avance-toi devant. N'aie pas peur. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas les autres. Ferme les yeux et avance devant. Je fais un dernier appel aux personnes qui veulent accepter le Jésus. Le dernier appel. Après, je rentrerai en France, frères et sœurs. Si tu veux que je puisse prier pour toi, frères et sœurs. Dieu vous honore. Dieu va vous honorer. Ne regarde pas qui tu es. Continue à avancer devant. C'est le dernier appel du séminaire pour accepter Jésus dans sa vie, se réconcilier. Même les chrétiens qui sentent que ce n'était pas ça, acceptent Jésus une nouvelle fois aujourd'hui. Renouvelle ton alliance. Tu peux encore avancer. Gloire à Jésus. Les choses vont se déverrouiller. Tu as encore quelques secondes pour venir devant. Merci Seigneur. Je suis à toi. Oui, Seigneur, je suis à toi. Toi qui t'es avancé devant, commence à fermer les yeux. Commence à ne plus penser à rien. Ne pense plus à tes erreurs, à tes besoins, à tes échecs, à ta culpabilité. Tu as fait un pas en avant et Dieu l'a vu. Et Dieu est fier de toi. Dieu te regarde plein de compassion. Dieu a de la compassion pour toi. Il est fier de toi parce que tu t'es avancé.
Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Plus fort, Seigneur Jésus. Je veux te demander pardon. Parce que pendant longtemps, j'ai marché sans toi. Je me repens de tous mes péchés. Rappelle-toi de moi le jour où je serai face à toi. Seigneur Jésus, affermis-moi. Seigneur Jésus, j'appelle ton Saint-Esprit. J'appelle ton Saint-Esprit qu'il puisse me remplir jusqu'à ce que je déborde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes les personnes qui ont pu accepter Jésus, il y a quelqu'un qui va vous recevoir. Si vous pouvez aller le voir, juste au niveau de l'entrée, au moins donnez votre nom, votre numéro. Parce que Dieu ne veut pas laisser ses brebis sans berger. Et Dieu va sûrement te bénir. Et pendant ce deuxième chant, essaie de chanter de toute ton âme, mais de toute ton âme, de toute ton âme. Fais ce que tu n'as jamais encore fait. Faire le deuxième et le dernier appel à toutes les personnes qui veulent servir Dieu, que Dieu puisse affermir. Si une personne veut venir devant, si elle veut servir Dieu, peu importe le service, si tu veux recevoir la ferme assurance, si tu veux que Dieu enlève tes doutes, viens devant, viens devant. Si tu veux évangéliser, si ce message t'a touché et que tu veux commencer à évangéliser, à servir Dieu, que tu prends conscience que les âmes, c'est important. Dieu honore ces personnes. Dieu vous honore, frères et sœurs. Dieu va vous surprendre. Parce que c'est le dernier jour. Alors Dieu va vous surprendre. Il y a des personnes qui n'étaient pas venues, qui peuvent encore venir. C'est le dernier jour, frères et sœurs. C'est le dernier jour. Péchés oubliés, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi. Approchez-vous plus près, rapprochez-vous encore, encore, jusqu'au rebord. Je viens à toi.
Toutes les personnes qui sont devant, fermez les yeux et commencez à vous concentrer sur le Saint-Esprit. Et commencez à dire trois fois Saint-Esprit. Trois fois. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Il est présent, il se mouve et il veut se manifester. Il va se manifester sur les personnes qui l'invoquent. Il va se manifester sur les personnes qui l'invoquent. Alors dis Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Appelle-le. Dis Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Jour s'est levé, le soleil. Considère que tu es un vase qui est vide. Tu es un vase vide, vide, que seul le Saint-Esprit peut remplir. Tu es un vase vide, tu es vide. Tu es un vase vide, terriblement asséché. Et tu as soif parce que tu es vide. Et que le Saint-Esprit puisse te remplir. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Tu es un vase qui est vide. Seul le Saint-Esprit peut te remplir. Alors commence à demander. Commence à t'énerver. Dis plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi. Plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi. Un plein salut est sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit est là. L'amour a disparu. Dedans, un plein salut. Dis plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi, Saint-Esprit. Comme si qu'à chaque fois tu le disais, ça allait te remplir. Comme si qu'à chaque fois tu le disais, ça allait te remplir. Dis plus de toi, Saint-Esprit. Et lève les bras en signe d'abandon. Et dis plus de toi, Saint-Esprit. Dis plus de toi. Et le Saint-Esprit va commencer à toucher. Et le Saint-Esprit va commencer à toucher. Le Saint-Esprit va commencer à toucher. Il va commencer. Continue. 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 Plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi. Plus de toi. Invoque le Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Invite-le dans ton cœur. Invite-le dans ton cœur. Prie, 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 prie. Encore. Parle au Saint-Esprit. Invite-le. Certaines personnes vont commencer à sentir le Saint-Esprit dans leur cœur. Certaines personnes vont sentir que le Saint-Esprit va venir sur eux. Alléluia. Certaines personnes qui n'étaient pas baptisées du Saint-Esprit vont recevoir leur baptême. Alléluia. Des personnes qui ne parlaient pas en langue vont commencer à parler en langue maintenant. Maintenant. Les personnes qui ne parlaient pas en langue, ta langue te délie.
Ta langue se délie, ta langue se délie. Ta langue se délie, toi qui n'avais pas le parler en langue. Ta langue se délie. Ta langue se délie. Le Saint-Esprit te baptise de feu. Le Saint-Esprit te baptise de feu. Alléluia. Tu es saint. Trois fois saint. Dieu tout-puissant. Éternel. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Continue, invoque tu le Saint-Esprit. Tu es saint, oh, tu es saint, Ça monte. Continue, ça monte. Continue.